Voilà, bon, ben on va faire un petit saut déjà géographique parce que on va quitter le nord de l'espace de notre recherche pour aller vers le sud du Dauphiné. Et puis on va aussi faire un saut typologique parce que je ne vais pas du tout parler des mêmes bâtis qu'a évoqué Alain. Donc pour situer un peu la recherche sur les bâtis, elle est quand même assez ancienne puisque dès les années 70, on commence à avoir des chercheurs qui s'y intéressent. Là, ce que je propose, c'est quand même de regarder ces recherches-là sous un nouvel angle, en intégrant au corpus de sites des sites nouveaux qui n'ont peu ou jamais été abordés en fait. Parce que il y a quand même eu pas mal de bibliographies quand même sur ces bâtis, mais la majorité concerne celle du conflit delphino-savoyard dont vient de parler Alain et sur lesquelles il a beaucoup travaillé. Par contre, pour le sud du Dauphiné, on a quand même les recherches de Marie-Pierre Estienne, qui a bien quand même remarqué et décrit le phénomène dans le territoire des Baronnies, donc qui est à cheval sur le département de la Drôme et des Hautes-Alpes. Et celle dont je vais vous parler se rapproche plus de celle des Baronnies que de celle du Bugey. En effet, le territoire des Hautes-Alpes, donc avec les bailliages du Gapençais, de l'Embrunais et du Briançonnais, est très peu en contact avec le monde savoyard, vu que la seule frontière qui est en conflit, c'est aux confins du Piémont Briançonnais, aux portes de Suse, où il y a une bâtie justement qui est construite et qui est prise qui est construite par les Savoyards et qui est prise par les Dauphinais. Mais ça ne sera pas le sujet, parce que de toute façon, elle est en dehors des limites de notre espace. Après, les rares frontières sont la vallée de la Maurienne au nord avec le col du Galibier, mais ça n'a jamais été un point de tension entre les deux principautés. Peut-être parce qu'elles sont assez bien implantées l'une et l'autre de part et d'autre et qu'il n'y a pas moyen d'essayer de grappiller du territoire avec l'implantation d'une bâtie telle qu'Alain les décrivait. Et après, la dernière partie qui va toucher la Savoie, c'est la vallée du Bail tout au sud. Mais ça, il faut attendre la fin du XIVe siècle, avec l'annexion de celle-ci par la Savoie. Et le conflit delphino-savoyard est déjà terminé depuis quelques dizaines d'années déjà. Donc voilà, les bâties qui sont observées dans le département des Hautes-Alpes, en fait, sont différentes. Et le but de cette intervention, c'est quand même de les caractériser d'un point de vue déjà spatio-temporel, donc savoir à quel moment elles sont implantées, puis surtout à quel endroit, dans quel territoire, s'il y a des particularités à mettre en lumière. Et puis aussi d'un point de vue juridique et fonctionnel, pour savoir à quoi elles servent, à par qui elles sont érigées, et si elles ont des statuts particuliers, justement, dans l'esprit des hommes du 14e, 13e siècle, par exemple. Donc pour ce faire, il a été nécessaire quand même de faire un inventaire qui se veut exhaustif, même si on n'est jamais assuré dans ces cas-là d'avoir exactement tous les sites, en dépouillant les sources historiques essentiellement à la recherche de mentions. Mais aussi en recherchant tous les toponymes qui pourraient trahir justement la présence d'une bâtie. Donc par exemple un lieu-dit La Bâtie, La Bastille ou Bastia, et leurs dérivés qui sont repérés sur le territoire haut-alpin grâce à la base de données de l'IGN qui permet ça à l'heure actuelle. Donc voilà, pour commencer un peu cet inventaire. Voilà les bâtis qui ont été localisés par cette recherche-là. Donc la plupart quand même sont mentionnés dans les sources historiques, donc c'est un peu plus facile quand même de les caractériser dans ces cas-là. Il y en a quelques-unes qui sont connues juste par leur toponyme, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Mais voilà, donc la méthodologie, ça a été d'abord de dépouiller les sources en s'appuyant sur Roget Dauphinois, qui, à quelques inexactitudes près, est assez complet et fiable. Et puis, ça a été accompagné d'une consultation systématique, justement, des sources pour vérifier si ça correspondait bien à ce qui était dit dans le registre quand les sources étaient éditées et accessibles. Et après, la base toponymique de l'IGN vient compléter ça et affiner justement pour les géolocalisations de certains sites mentionnés qui le sont parfois vaguement.
Et puis aussi, ça permet de contrôler justement la présence d'homonymes qui pourraient ne pas être localisés dans les bailliages que je me propose d'étudier aujourd'hui. Par exemple, le toponyme de Montmort se retrouve à la fois dans la Drôme et dans les Hautes-Alpes, donc il faut bien savoir de quoi on parle. Mais malgré ces précautions méthodologiques, il y a quelques écueils qui restent. Parce que, surtout pour les sites identifiés seulement par les toponymes, puisqu'en l'état de la recherche, on n'a pas la certitude que ce toponyme de bâti remonte à l'époque médiévale, puisque le mot bâti a été employé jusqu'à nos jours. Et puis aussi, on n'a aucune certitude qu'ils aient été fortifiés en l'absence de restes construits, de vestiges. Donc il est difficile de les caractériser, et c'est le cas ici de l'abatis du Pouet et de l'abatis depuis Saint-Eusèbe, donc numéro 10 et numéro 17 sur la carte, parce que justement, elles ne sont jamais mentionnées dans les sources, elles apparaissent en toponyme clairement sur les cartes IGN, mais rien ne permet de dire qu'elles étaient fortifiées ou qu'elles existaient à l'époque médiévale. Après, les sources historiques aussi, bien qu'offrant des jalons chronologiques, elles sont quand même limitées. Les bâtis que j'ai recensées, elles sont souvent mentionnées un peu par hasard, au détour d'un texte, dans des registres d'hommages. Elles peuvent servir aussi de position géographique pour caractériser un texte, un acte qui est fait par exemple au pied de tel bâti, mais ça nous donne très peu au final de renseignements sur leurs caractéristiques, sur leur forme et sur leur fonction. Donc les identifications se résument souvent à des mentions sporadiques dans le temps et parfois surtout à qu'une seule mention. Par exemple, pour illustrer l'écueil aussi de leur localisation, on peut parler de la bâtie de Montmort. Donc, sur la commune de Montmort, il y a trois bâties qui sont mentionnées dans les textes. Donc, deux qui ne posent pas de problème de localisation, puisqu'elles sont liées dans les textes déjà à un toponyme qui a perduré et qui est assez repérable sur les cartes toponymiques. Donc, c'est la bâtie de Brancel au nord de la commune et la partie de Mailleras tout au sud. Et il y a une troisième bâtie qui est mentionnée dans les sources, qui est la bâtie de Montmort et qui appartient à l'évêque de Gap, et qui justement elle pose problème puisque sur le site même de Montmort, nous avons trois sites fortifiés. Donc le château tout en bas, en numéro 3 au pied du bourg, qui est probablement pas la bâtie puisqu'il est plus récent que les deux autres sites, mais entre le site situé sur la montagne et le site à mi-pente, le site numéro 2, c'est difficile de savoir lequel était la bâtie sans mention plus précise. Après, par rapport à la typologie que je peux établir des bâties, ça serait plus logique que ce soit le site numéro 1 au sommet du Mamelon, plutôt que le site numéro 2 qui serait plus assimilable au premier château de Montmort qui voit le bourg s'installer à ses pieds, puis qui a été déplacé sans doute au XIIIe ou XIVe siècle au pied du village dans une position un peu moins compliquée pour l'aspect résidentiel du site. Voilà, donc un autre problème qui peut se poser. C'est pour les bâties qui sont juste mentionnées, mais sans vraiment être géolocalisées, et c'est le cas de la bâtie du pré Atribault, qui est mentionnée dans plusieurs registres d'hommages qui ont été en partie analysés par François Marcellier au XVIIe siècle, qui permet justement de l'intégrer dans notre corpus. Mais il n'y a aucun toponyme qui s'y rapporte. Il est mentionné à côté de la bâtie de Vérat, dans le Val d'Oise. Elle appartient au même seigneur. Donc, moi, j'ai fait le choix arbitraire de le placer dans le Val d'Oise à proximité. Mais il n'y a aucune certitude qu'il soit bien positionné là où je l'ai mis. Donc, après, voilà, pour poursuivre la réflexion sur ces sites-là, c'est un peu compliqué de se baser sur ces mentions-là. Voilà, pour poursuivre avec la répartition justement spatio-temporelle des bâtis,
Donc, je vous ai un peu fait des zooms sur déjà le bailliage du Gapençais. Lorsqu'on étudie en détail justement ces localisations dans les différents territoires, on s'aperçoit qu'elles sont souvent aux marges des espaces médiévaux. Alors là, j'ai appliqué les limites des communes actuelles, mais c'est assez pratique pour les Hautes-Alpes puisqu'elles correspondent aux mandements médiévaux qui apparaissent au XIIIe et XIVe siècle. Et il y a eu très peu d'évolution. Il y a juste les fusions de communes qui se font depuis les années 2000 qui viennent un peu perturber ce maillage, mais les limites des communes actuelles sont considérées comme les limites des communautés médiévales. Et on voit bien là, en les positionnant, que les bâtis sont vraiment en frange de ces espaces-là. Et même la bâtie de Montmort, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est proche du chef-lieu du mandement, est quand même en périphérie de ce chef-lieu-là. Elle n'est pas au centre, elle n'a pas concentré d'habitat autour d'elle, et elle fait figure un peu de surveillance un peu éloignée. On le voit aussi par cette carte qui montre les passages entre les montagnes, les vallées, que ces bâtis contrôlent justement ces accès un peu secondaires, parce que l'accès principal de la Durance ne comporte aucune bâtie. La vallée du Blèche, un peu moins non plus. C'est toutes des espaces qui permettent les jonctions justement entre ces deux vallées. Par exemple, la bâtie de Ventavon, qui est située ici, bah, elle surveille la vallée qui fait le lien entre la Durance et le Bêche. Pareil pour les bâties situées ici, proches de Vaines et de Montmort, justement, qui contrôlent les passages entre Gap, Vaines, et puis des voies qui filent vers le Diois, justement, et les baronnies. On peut retrouver aussi ce schéma-là avec les bâties de la bâtie vieille et de la bâtie neuve qui sont vraiment à la frontière du Gapençais. Donc, ils sont sur les terres de l'évêque de Gap et en face des terres de l'archevêque d'Embrun. Donc, pour l'Embrunais, elles sont un peu moins fournies, ces bâties, mais on a exactement la même configuration avec des bâties en périphérie de mandement, qui ne sont pas chefs-lieux justement de mandement, qui ne concentrent pas d'habitat autour d'elles, qui sont aussi dans des réseaux un peu secondaires. Il y a quand même la bâtie Saint-Julien qui est sur la voie qui mène entre Embrun, Gap et même le sud par le cours de la Durance. Donc en fait, c'est quand même des passages clés aussi et importants. On a le cas aussi de la bâtie de Luzerne qui est sur la commune d'Evigneaux, où il y a un toponyme, la bâtie d'Evigneaux, qui est encore présent, qui elle verrouille carrément le passage entre le Briançonnais et l'Embrunais, qui est très pratique à défendre puisqu'il y a un couloir assez important. Et elle est à la confluence de cours d'eau qui permet justement de défendre très facilement ces zones. Voilà. Donc, en plus de ces conditions géographiques et topographiques, on voit quand même une esquisse de leur fonction qui se met en lumière petit à petit, c'est qu'elles sont impliquées dans la surveillance du territoire et le contrôle des accès et des voies de passage. Il se peut qu'elles aient en plus, comme les bâties dont Alain a évoqué tout à l'heure, qu'elles aient un rôle économique avec la perception de péage, justement parce qu'elles contrôlent des passages clés. Mais dans les Hautes-Alpes, il n'y a pas de source qui mentionne des bâties liées à un péage, bien que c'est complètement possible à l'heure actuelle. Par exemple, on a en Isère la bâtie de Champron qui contrôle un péage sur l'Isère. Donc ça pourrait très bien se retrouver sur la Durance un peu plus au sud. Le rôle militaire aussi des fortifications est quand même avéré, mais il reste à préciser. Même si elles forment un maillage du territoire assez dense, surtout en Gapençais, mais un peu plus large en Embrunais, visiblement, elles ne sont pas capables de subir un siège. On a l'occasion de vérifier cette hypothèse justement à partir de 1368, quand des bandes de routiers libérées par les belligérants de la guerre de Cent Ans font incursion par la Provence en Gapençais et en Brunet.
Ils vont ravager le territoire pendant près d'un an. Et aucune bâtie ne va arriver à leur opposer de résistance. Ils vont pouvoir circuler sur toutes les voies de communication, semer un peu le trouble dans la région. Et le cas de la bâtie des Vigneaux, justement, la bâtie de Luzerne, illustre assez bien cette incapacité à défendre et empêcher une armée de passer des bâtis, puisque en 1376, le gouverneur du Dauphiné ordonne la construction d'un mur justement pour suppléer la bâtie des Vigneaux, la bâtie de Luzerne, pour interdire le passage entre Embrunet et Briançonnet. Alors il fait ordonner la construction d'un mur qui est édifié à la hâte, sans fondation, avec des matériaux assez rapidement mis en œuvre. Donc on en a un exemple, il s'appelle aujourd'hui le mur des Vaudois, mais il n'a rien à voir avec les Vaudois. Et donc, ça montre bien que il fallait bien ce mur-là pour empêcher tout passage. Et il a une certaine efficacité vu que justement, aucune incursion n'est faite en Briançonnet de ce côté-là. Donc, le rôle des bâtis, en fait, de ces bâtis-là, c'est simplement d'assurer une surveillance et sécurité des voies de passage, justement, plutôt par rapport à des bandits de grand chemin que à des troupes armées importantes. Et donc c'est peut-être une des caractéristiques qui pourrait expliquer ce déséquilibre numérique des bâtis moins nombreuses en Embrunet qu'en Gapençay, puisque justement en Gapençay il y a plus de voies de communication vu que le relief est un peu plus doux qu'en Embrunet où il y a beaucoup de hautes montagnes qui interdisent tout passage et qui filtrent les accès à certains points clés qui sont justement gardés par des bâtis. Pour la répartition chronologique justement des bâtis, certaines ont pu être positionnées avec un référentiel chronologique. Il ne faut pas oublier que quand même ces mentions traduisent juste une apparition dans les sources et pas leur construction. Donc leur construction peut être bien plus ancienne pour certaines. Donc néanmoins, il est intéressant quand même de constater que dès le début du XIIIe siècle, les bâtis sont déjà très bien en place sur le territoire haut-alpin. Et leurs origines sont sans doute à rechercher à la fin du XIIe siècle. Donc, pour illustrer ça, on peut s'appuyer sur le cas de la bâtie neuve et de la bâtie vieille, qui est assez éloquent, puisque ces toponymes, qui marquent quand même une antériorité de l'un sur l'autre, hein, bâtie vieille, bâtie neuve, apparaissent au début du XIIIe siècle, et c'est la bâtie neuve qui apparaît en premier en 1225 dans le cartulaire d'Oulx. La bâtie vieille, elle est mentionnée que quelques années plus tard, en 1238. Donc, ça prouve quand même qu'il y a une très forte antériorité par rapport à leurs apparitions et qu'il n'est pas impossible que la bâtie vieille soit mise en place au XIIe siècle, puis suive la bâtie neuve, et puis elles apparaissent à cause de la déformation que nous donnent les textes conservés, la bâtie neuve avant la bâtie vieille. Donc il est aussi frappant aussi de voir qu'après 1250, les mentions de nouvelles bâties s'amenuisent facilement. Elles passent de 9 pour la période de 1220 à 1250 à 3 entre 1250 et 1280, puis toujours 3 entre 1280 et 1310. Et il faut attendre justement les grandes périodes de récolte d'hommage par le dauphin dans les territoires du Gapençais et d'Embrunet pour voir encore d'autres bâtis apparaître. Mais justement, ça biaise un peu leur date d'apparition, puisque justement, c'est juste parce qu'il y a ces campagnes d'hommage qui sont mises en place qu'on les voit. Mais elles auraient très bien pu être construites bien avant et perdurer jusqu'au début du XIVe siècle et être marquées à ce moment-là par le pouvoir delphinal. Voilà, elles appartiennent en majorité à des petits seigneurs locaux, donc c'est pour ça qu'elles passent à travers le radar des grandes sources historiques et des grandes chartes du XIIIe siècle qui sont conservées pour le XIIIe siècle. Donc le phénomène de construction de ces bâtis, je pense personnellement qu'il est à rechercher au XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, où là, ça commence à se développer énormément. Donc pour poursuivre au niveau des caractéristiques juridiques et sociales des bâtis, on connaît la plupart des possesseurs de chaque bâti, et ça c'est assez intéressant quand on arrive à les appliquer sur la carte. On voit quand même que les grands seigneurs possèdent peu de bâtis. Le dauphin en possède une,
l'archevêque d'Embrun, aucune. Et l'évêque de Gap fait un peu figure d'exception avec pas moins de 5 bâtis en sa possession. Mais le cas de l'évêque de Gap est assez particulier par rapport aux deux autres, puisque son pouvoir est assez contesté par le comte de Provence. Il lui doit un hommage assez strict. Donc il se comporte un peu comme les grandes familles locales à avoir un maillage castral assez fort et justement à user de bâtis pour contrôler les accès et les routes de son territoire. Certaines grandes familles possèdent aussi des bâtis, comme les Mévouillons, les Aurus, les Flottes ou les Montauban, mais c'est assez limité aussi, puisque ça se résume à une bâtie par famille, et encore, ils se les transmettent les uns aux autres, et leur pérennisation n'est pas forcément certaine. Celle qu'on remarque beaucoup, justement, c'est des bâtis construites par la noblesse locale. Donc des petites familles de faible envergure qui ont très peu de pouvoir, mais qui justement localement s'implantent justement grâce à ces bâtis pour contrôler leur territoire. Donc le phénomène justement de ces bâtis de la noblesse locale apparaît essentiellement grâce au registre d'hommage, et on le voit aussi en Isère où l'enquête de 1339 qui montre qu'il y a énormément de bâtis aussi sur le territoire et qui appartiennent à des nobles de noblesse locale. Du point de vue juridique, donc on a plusieurs cas de figure documentés, justement. On a les bâtis qui ont le statut de castrum, justement la bâtie vieille, la bâtie neuve et la bâtie Mont-Saint-Léon. Donc elles apparaissent directement dans les sources historiques avec ce statut de castrum. Donc, ce qui nous fait dire encore que leur implantation en tant que bâtie est largement antérieure à leur apparition dans les sources. Il se peut que ce soit justement l'agglomération de l'habitat autour de ces bâtis qui les fait passer au statut de castrum, justement, et elles ont conservé leur statut de bâtie dans leur toponyme seulement. Elles resteront castrum jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Certaines autres portent le statut de maison forte justement dans les registres d'hommage. Elles sont essentiellement aux mains des petits seigneurs. Et ce qui me fait dire que justement que les bâtis dont le statut juridique n'est pas connu ou explicité, elles peuvent probablement être approchées de ce statut de maison forte parce que justement elles en possèdent les caractéristiques avec des éléments fortifiés, un contrôle du territoire et elles sont possédées par toutes les strates de la noblesse, mais plutôt une noblesse locale. Voilà, donc pour aller un peu sur le terme, sur le terrain de l'architecture, ça va être quand même très compliqué d'être catégorique justement sur ces caractéristiques, puisque la plupart des bâtis ne sont pas localisées ou celles qui sont localisées sont en partie détruites. Certaines sont connues par un plan et il n'y en a qu'une seule qui est en place. Donc c'est un peu sur ça que je vais raisonner. Donc la bâtie qu'on connaît part d'innombrables photos qui a été détruite dans les années 50 parce qu'elle tombait en ruine, justement, il y a eu un accident, du coup, elle ressemble plus à l'aspect qu'elle avait auparavant. Et grâce justement à Joseph Vollère, on a quand même un plan assez détaillé de son architecture. Et justement, il est probable que la bâtie originelle se situe juste dans le donjon de forme assez bizarre, en forme d'éperon et arrondi sur un côté. Et puis, agglomérant de plus en plus d'habitats et prenant de l'importance au niveau territorial, on lui a adjoint des bâtiments, une enceinte, des tours circulaires pour faire office de château. C'est ce qu'on peut aussi observer sur le site de la bâtie vieille, où il ne reste plus qu'une tour semi-circulaire avec une partie plate. Elle, pareil, on a pu lever un plan au début du XXe siècle qui démontre une bâtie un peu plus simple, avec juste une tour et un plan, une enceinte avec une circulation tout autour de la tour centrale par la porte. Donc pareil, peut-être que la bâtie au départ, c'est l'érection de la tour, puis plus l'habitat s'agglomère autour et plus la bâtie prend de l'importance.
une enceinte est construite autour pour lui donner un aspect un peu plus massif, un peu plus fortifié. Donc la seule qui est encore en place, c'est l'abbatie Saint-Julien qui domine justement aujourd'hui actuellement le lac de Serre-Ponçon, mais à l'époque elle domine la vallée de la Durance. Elle est sur un point de passage au XIIIe et XIVe siècle qui fait le lien entre le Gapençais et l'Embrunais, la ville de Gap et la ville d'Embrun. À la fin du XIVe siècle, ce chemin va être détourné par la rive gauche, donc la rive d'en face de la Durance, pour passer plus par un bac et par un chemin un peu plus praticable jusqu'à Embrun. Donc on retrouve quand même cette caractéristique de la tour que j'évoquais tout à l'heure ici. Donc le corps de bâtiment qui lui est adjoint, il n'y a aucun moyen dans la recherche actuelle de savoir s'il était là à l'origine, mais peut-être que des études justement de bâti sur cet édifice-là pourraient lever un peu plus de voile sur les caractéristiques architecturales de ces bâtis qui sont un peu complexes à montrer avec si peu d'éléments encore en place. Donc pour aller rapidement sur une bâtie justement dont on connaît assez bien l'évolution, parce qu'elle appartient au dauphin et donc elle est très bien caractérisée dans les sources, on va se projeter un peu en dehors des Hautes-Alpes, mais dans le Briançonnais piémontais, donc la vallée de la Varaïta, Châtellenie-Château-Dauphin, où le dauphin s'implante à partir du début du XIIIe siècle. Petit à petit, il va grignoter des droits sur les nobles locaux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la bâtie de Pont, justement, elle n'a pas toujours eu le statut de bâtie. Elle a commencé à apparaître dans les sources avec un statut de château. Et justement, elle appartient à une parorie noble, en fait, à une cosseigneurie noble qui gère la châtellenie de Pont avant que le dauphin s'y implante et qui possède la tour de Pont. Il est témoigné que justement, même au début, comme le dauphin s'implante par petites parts, il ne possède pas le droit de décider de la guerre et de la paix dans la châtellenie, parce que ce droit est lié à la possession justement de la fortification. Et le dauphin va justement petit à petit grappiller des droits par-ci par-là pour commencer à posséder la tour partie par partie. Et c'est ce qu'on voit dans l'enquête de 1265, où les habitants de la Châtellenie sont interrogés par les représentants du dauphin pour établir précisément les droits que celui-ci a sur la Châtellenie. Et on apprend justement qu'à ce moment-là, le dauphin a des droits sur la tour haute de Pont, du château de Pont, et qui vient d'en acquérir sur la tour basse. Donc ça veut dire qu'il commence à prendre de l'importance. Et c'est à partir de ce moment-là que le rôle militaire du dauphin va être très important dans la châtellenie et que c'est lui qui va être chargé de la défense de la châtellenie et des incursions possibles. Alors le statut de la bâtie du château de Pont change relativement assez tardivement, puisqu'elle est mentionnée seulement à partir de 1364, lors de son occupation par les troupes de Galeazzo de Saluces, qui vient envahir ponctuellement la Châtellenie pour le compte du marquis de Saluces. Le changement de statut de château en bâti est sûrement plus ancien, et il est à mettre en relation avec la construction du château de Château-Dauphin après 1334, puisqu'en 1334, il y a de forts troubles dans la châtellenie, puisque le châtelain François de Bardonnèche, aiguillonné probablement par les Savoyards, soutenu en tout cas par les Savoyards, commence à mettre à feu, à sang, la vallée de la Varaïta. Le dauphin est en incapacité d'intervenir puisque les cols sont fermés à cause de la neige. Donc, pendant quasiment un an, voire deux, la châtellenie va être coupée du Dauphiné et la porte de l'Italie va être fermée définitivement au dauphin pendant ces 2 années. Le dauphin va comprendre qu'il est très important pour lui de fortifier beaucoup mieux cette châtellenie. Il va en profiter aussi pour réprimer la révolte et récupérer des droits
pour être encore plus puissant dans la châtellenie et puis être le seul maître surtout de tous les points d'accès. Donc il fait construire le château de Château-Dauphin à côté de la paroisse de Saint-Eusèbe, qui est la paroisse principale de la châtellenie. Et à partir de ce moment-là, on sent que la fortification édifiée à Pont va perdre de l'importance, va passer au réseau secondaire. Et du coup, elle est encore mentionnée en tant que château dans l'enquête de 1339 qui prévoit la vente du Dauphiné au souverain pontife. Mais c'est la dernière fois qu'on la voit mentionnée comme château. Après, elle joue le rôle d'édifice militaire. Elle est surtout contrôlée et mise en garnison en permanence justement pour lutter contre les incursions à cause des souvenirs de François de Bardonnèche et de Galeazzo de Saluces. En permanence, trois clients vont être mis en place là-bas, donc un guetteur, un portier et un lieutenant. Et puis, lors de la... des tentatives d'incursion de bandes de routiers, une garnison beaucoup plus importante de 7 à 8 clients va être mise en place pendant toute la fin du 14e siècle. Donc on voit bien que cette fortification en fait perd son statut de château avec le déplacement du centre de gravité de la châtellenie avec la construction de Château-Dauphin, donc devient un édifice fortifié secondaire et prend le nom de bâti. Donc ça veut bien dire que dans la tête des médiévaux, le terme juridique de bâti s'applique bien à un château ou une fortification secondaire qui ne sert juste qu'à contrôler et qu'à assurer la surveillance du territoire. Il reste 5 minutes. Donc voilà, mais j'en viens à la conclusion, justement. C'est les quelques éléments sur lesquels je peux conclure pour caractériser ces bâtis qu'on trouve dans le sud du Dauphiné. Ce sont des édifices du réseau fortifié secondaire. Elles adoptent probablement des formes plutôt simples de type tour. On voit qu'à la bâtie neuve et à la bâtie vieille, ça se complexifie avec des remparts, des adjonctions de tours, parce que leur statut change aussi. Elles deviennent castrum, elles deviennent centre d'agglomération, elles deviennent chef-lieu. Donc leur rôle aussi évolue. La plupart, la totalité même, sont positionnées aux confins des seigneuries. Donc elles surveillent et contrôlent les points d'accès stratégiques, mais elles ne permettent pas justement de verrouiller ces accès-là, elles ne permettent pas d'arrêter une armée, elles ne permettent pas d'assurer une défense très importante. Elles sont en majorité au moins d'une noblesse locale et rurale et sont presque absentes des zones très bien contrôlées par les seigneurs majeurs avant le XIIIe siècle. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en trouve très peu en Embrunais et Briançonnais, parce que justement, la petite noblesse n'a pas eu les moyens de les mettre en place vu que l'archevêque d'Embrun et le dauphin contrôlent très, très tôt ces zones-là. Et on voit que certaines ont pu évoluer en castrum et du coup devenir un chef-lieu d'agglomération et être positionnées moins aux confins de leurs espaces qu'elles contrôlent justement puisqu'elles en créent un en devenant une communauté à part entière. Voilà pour finir cette communication. Après, c'est une réflexion, on le voit aussi dans mon propos qui est pas très assuré, c'est que c'est une recherche qui est nouvelle, il n'y a pas eu énormément d'investigations, donc on se base sur des éléments un peu fugaces pour les caractériser. Mais en tout cas, je pense que c'est les grandes lignes qu'il faut avoir en tête pour les recherches futures. Et je pense qu'il serait assez intéressant d'étudier plus en détail la maison forte de Saint-Julien, qui est justement en élévation. Et puis peut-être la bâtie de Montmort, les deux fortifiés de Montmort, peut-être les fouiller, pour que justement on puisse avoir une idée de comment s'organiser un site fortifié appelé bâti dans le sud du Dauphiné. Merci beaucoup. Voilà, je passe la parole à qui veut. Hein. Oui, merci. effectivement, on a avec la communication de Benjamin Houry un faciès finalement un peu différent de celui qu'on a vu précédemment, des fortifications qui sont
moins dans un contexte militaire, mais tout autant dans un contexte néanmoins stratégique. Hein, et donc, ça nous conforte sur cette définition de fortification secondaire, mais évidemment, dans des contextes politiques et un peu chronologiques aussi, un petit peu différents. Il y a aussi la question très intéressante de la localisation et de l'identification des sites sur le terrain, semble-t-il plus difficile dans des régions montagneuses comme celle-ci que dans d'autres, mais qui reste néanmoins l'un des problèmes actuels des archéologues dans la mesure où on l'a vu aussi. L'abatis, c'est aussi souvent un simple toponyme, un toponyme qui peut éventuellement se déplacer, et donc évidemment, sans compter bien sûr l'état de ruines et de disparition d'un grand nombre de ces sites. Donc on a là aussi quelque chose de tout à fait stimulant. Si quelqu'un veut prendre la parole, c'est possible. Cédric Mottier. Oui, Benjamin, bonjour, content de se Bonjour. retrouver, au moins visuellement déjà dans un premier temps. Je voulais revenir, vous avez cité un type de source bien particulier, les campagnes de reconnaissance, enfin d'hommage plutôt, des dauphins. Est-ce que dans ces documents, les biens sur lesquels porte l'hommage reconnu sont dénombrés? Est-ce que, par exemple, ma question, est-ce qu'il y a des mentions de droit de haute justice? Qui éventuellement pourrait être systématiquement lié à ces bâtis, donc à des châteaux plutôt éventuellement, ou peut-être une absence de mention de droit de haute justice qui pourrait être plutôt liée à ces bâtis où vous parlez de maisons fortes qui visiblement appartiennent aussi à des membres moins importants de la noblesse. Un moyen peut-être de caractériser plutôt féodo-vassalique, de distinguer éventuellement le terme domum fortem ou castrum, si tant est qu'il est employé. Alors oui, c'est une très bonne question parce que ces registres d'hommage, en fait, c'est surtout des compilations en fait de biens que les petits seigneurs locaux admettent tenir du dauphin. Donc c'est un grand catalogue. Les nobles passent à la suite et en fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu de droits de justice, de haute ou basse justice, qui sont associés à ces édifices fortifiés. C'est pour ça que c'est vraiment, je les rapproche vraiment des maisons fortes telles qu'on les voit dans le sud du Dauphiné. C'est-à-dire que c'est une maison fortifiée noble, mais qui n'a pas de droit de juridiction très très étendu. C'est surtout une organisation de terroir, mais pas spécifiquement une organisation de justice ou de pouvoir temporel. Parce qu'en fait, dans le sud du Dauphiné, le pouvoir temporel est surtout entre les mains de l'archevêque d'Embrun et du dauphin. Donc il y a très peu de grands nobles qui arrivent à avoir un droit de justice et à pouvoir faire face à ces deux seigneurs-là dans ces espaces-là. En Gapençais, c'est un peu différent, puisque justement, il y a quand même des grandes familles comme les Flotte, les Montauban, qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu, mais c'est quand même assez limité on n'arrive pas à bien voir un rôle très défini de la bâtie de ce côté-là, du côté juridique. Ce ne sont pas des grands centres en fait de gestion du pouvoir seigneurial. C'est vraiment l'édifice fortifié qui va permettre d'organiser le territoire, d'assurer une surveillance, de contrôler les passages, mais pas plus. Il n'y a pas de fourches patibulaires, par exemple, qui peuvent être associées à une bâtie. Généralement, chaque seigneur a son château qui lui est associé, ou alors il relève d'un château d'un seigneur différent qui est associé à cette bâtie-là. Donc c'est vraiment le réseau secondaire. Ouais, je parlais bien d'une époque donc, où ces bâtis dénommés comme tels sont quand même désormais des fiefs à part entière mourants du dauphin et qui jouent plus forcément un rôle initialement ou purement militaire. C'était la question que. Celles qui apparaissent justement dans les registres d'hommage, c'est difficile à dire puisqu'elles apparaissent au début du XIVe siècle, quand le dauphin déjà a la main sur tout le territoire. Mais elles sont probablement plus anciennes et leur rôle plus ancien, c'est difficile de mettre le doigt dessus. Mais a priori, oui, elles sont la trace d'une juridiction ancienne où justement le pouvoir était morcelé entre plein de co-seigneuries. Mais c'est ce qu'on remarque beaucoup dans le sud du Dauphiné où
où justement la plupart des territoires sont possédés par une vingtaine de seigneurs, si ce n'est pas plus, et qui se partagent des morceaux de fortifications, même jusqu'au XIVe siècle. Et ça, à mon avis, oui, les bâtis qui sont mentionnés dans ces registres d'hommage sont un peu une relique des temps plus anciens, où justement les juridictions étaient entre les mains de cette petite noblesse, effectivement. Merci. Alors, je ne peux pas lever la main, mais il y a Julie Jean-Blanc donc, et Annick Clavier qui ont levé la main, mais je vais juste peut-être m'insérer dans la file en posant une question, la question de l'historienne qui s'est intéressée au statut Delphinal. Parce que c'est passionnant cette affaire, hein, finalement, on est à la charnière entre le philologique, le juridique. Et puis donc ces bâtiments, l'histoire du bâti. Est-ce que je me demande, hein, c'est vraiment une suggestion, c'est pas vraiment une question, si finalement cette manière de désigner ces fortifications, ce serait pas aussi une manière de les minorer? Parce que finalement c'est un terme qu'on retrouve pas, par exemple dans le statut Delphinal quand il parle du droit de fortifier, il est question de maison forte. Mais jamais de bâti. Donc, est-ce que c'est pas une manière de dire, bah, finalement, c'est pas vraiment, vraiment, vraiment une maison forte, c'est quelque chose qui est construit. C'est un peu vague, hein, finalement, comme mot. Donc, si on s'intéresse à la philologie, là, voilà, c'est une suggestion. Et puis, finalement, ça serait confirmé, ça, par la destinée de la fortification de Pont. Donc, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, c'est une suggestion. Et je ne m'étends pas plus parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Et c'est là où on touche du doigt justement la complexité de ces appellations-là, parce que quand même dans des registres d'hommage, on a des bâtis qui sont mentionnés textuellement bâtis ou maison forte. Donc il y a quand même une ambiguïté des termes. Mais effectivement, vu que la bâtie, c'est quand même le réseau très très secondaire, qu'elle a moins de prérogatives que la maison forte, oui, effectivement, on peut l'envisager comme une sous-catégorie de la maison forte. Dans l'esprit des textes médiévaux, effectivement. Ça permettrait au moins de justement de les différencier. Alors, il y a Julie Jean-Blanc, qui est étudiante en Master 2, qui avait levé le doigt, puis après Annick. Oui, bonjour. Je voulais Bonjour. revenir sur la bâtie du pont. Oui. Donc vous avez expliqué que c'était une co-seigneurie qui avait été qui est pa passée sous la main du dauphin. Partie par partie. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant comme procédé dans l'espace du Gap-en-Seine, de l'Embrunais, du Briançonnais, ou c'est quelque chose d'assez exceptionnel? Alors, dans la politique Delphinale, c'est assez courant justement qu'il s'infiltre dans les seigneuries comme ça, partie par partie. Après, l'Embrunais, le Gap-en-Seine, c'est particulier parce que ils ont été donnés d'un bloc en fait au dauphin par son mariage avec la petite fille du comte de Forcalquier. Il le rachète en 1332 définitivement, mais du coup, sa juridiction, elle est quand même assez peu contestée en Embrunais et Gap-en-Seine. Il n'y a que en Briançonnais, justement, où il y a certains seigneurs, certaines seigneuries, où il va pouvoir grignoter des châtellenies petit à petit. Mais ça se voit plus en Isère et dans la Drôme, où justement, il va infiltrer des petites parureries nobles peu à peu. Et puis, quand il a rassemblé la majorité des droits, ben, les autres co-seigneurs ne peuvent quasiment plus rien faire. Et c'est là où on voit que tout explose. Et que le dauphin prend la main et devient le seigneur majeur des lieux. Mais oui, en Gap-en-Seine et en Brunet, c'est plus complexe. Alors, il va tenter quand même de le faire en Embrunais face à l'archevêque d'Embrun, parce qu'en Embrun, il a quasiment aucun droit, le dauphin, dans la ville. Mais justement, il va commencer à s'implanter en construisant un palais Delphinal à l'extérieur de la ville. Puis, peu à peu, ce palais Delphinal, il va être intégré aux fortifications de la ville. Et ça va être un moyen de contester justement le pouvoir de l'archevêque, puis pour complètement le minorer, et puis qu'à la fin du XIVe siècle, il soit le seigneur majeur de l'Embrunais, sans aucune contestation de la part de l'archevêque d'Embrun. Alors que ce n'était pas forcément le cas au XIIIe siècle. Ah, D'accord, je ne sais pas si j'ai répondu merci. complètement. Oui, Moi, je voulais poser une question puis faire une remarque. Pour parler de maison forte, il me semble qu'il y a un problème, c'est que on n'est pas, visiblement pas, ce sont visiblement pas des édifices résidentiels.
Bon, moi, j'en ai quelques exemples, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, pour tirer sur la chronologie, est-ce que, effectivement, je ne vois pas d'autre solution que de faire une fouille, parce que est-ce qu'on ne peut pas avoir des sites très anciens qui remontent voilà, au début des premiers châteaux, des réemplois de fortifications de terre, de mottes C'est possible. Alors, c'est dommage que Michel Bois ne soit pas là, parce que je crois qu'elle, elle avait des sites quand même assez, un peu plus anciens, datés au moins de la fin du XIIe siècle, donc elle aurait pu aussi répondre à cette question pour la Drôme. Pour revenir aux maisons fortes, oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pense que celles qui apparaissent comme bâties ou maisons fortes au XIVe siècle, c'est justement des bâties qui ont évolué et qui se sont probablement dotées de fonctions résidentielles et qui, justement, par ce côté-là, se rapprochent des maisons fortes. Mais effectivement, je pense que je pense en particulier à la bâtie de Montmort. Si c'est celle qui est perchée en haut du Mamelon, il n'y a aucun habitat autour et, à mon avis, elle n'a pas perduré très longtemps et elle n'a pas servi d'habitat vu la position qu'elle a. C'est un réduit défensif et une tour de guet sans plus. Donc oui, je suis assez d'accord de ce côté-là pour justement quand même les rapprocher et les séparer. Mais pareil, les bâtis qui ont pris un statut de castrum juste après, c'est une évolution de fait qui les transforme et du coup, elles transforment leur architecture et leur statut juridique en fait. C'est pour ça que la chronologie est quand même importante aussi pour les distinguer. Et je pense qu'il y a des édifices qu'on appelle bâtis au XIVe siècle qui n'ont plus vraiment les attributs d'une bâtie qu'elles avaient à l'origine lors de leur construction et de lors de leur premier emploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. La seule question bête, c'est celle qu'on n'a jamais posée. Donc, il faut en profiter. Parce que j'ai quand même conscience que je suis allé un peu vite aussi sur plein de choses, parce que je ne pouvais pas tout dire dans le temps qui m'était imparti. Donc, si vous voulez que je revienne sur des détails aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Juste une petite intervention. Est-ce que il ne serait pas utile pour les cartographies que vous avez présentées, faire un petit peu comme a fait Alain Kersuzan, c'est-à-dire de mettre aussi les châteaux, c'est-à-dire de voir un petit peu dans l'ensemble régional ou les ensembles micro-régionaux que vous avez utilisés, la répartition, l'importance numérique, etc., en pourcentage un petit peu par rapport au château. Il y a un certain nombre, alors dans certains cas on voit bien que bon, dans le cas de Château Dauphin, il me semble que à part Château Dauphin, il n'y a pas d'autres châteaux dans le coin, mais il me semble que pour d'autres régions, ça pourrait être utile d'avoir cet élément de comparaison. Alors c'est certain qu'il y a un très fort lien avec le maillage castral et ça c'est indéniable. Après j'ai pas voulu trop surcharger les cartes parce que ça faisait déjà beaucoup de points sur des zones assez grandes. Mais effectivement le travail doit être fait pour justement comparer les implantations des bâtis par rapport à l'implantation des châteaux, aussi voir la chronologie parce qu'on voit qu'à Château Dauphin la chronologie d'implantation des sites est importante. On voit aussi que, et ça Marie-Pierre Estienne l'a fait pour les baronnies, que les bâtis viennent compléter le réseau castral. Alors elle parle de l'intervisibilité des sites, que les bâtis justement servent d'appui visuel entre deux châteaux d'un même possesseur. Moi j'ai pas mal de réserves parce que des fois dans la pratique on s'aperçoit que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et puis ce qui est plus difficile à mettre en place en Gapensé surtout, c'est que les bâtis ne sont pas possédés forcément par les mêmes possesseurs, donc ça ne sert à rien qu'elles se voient entre elles. Et puis surtout, le relief est trop important pour qu'on puisse les voir. Par exemple, rien que sur la commune de Montmort, les trois bâtis, il n'y en a que deux qui peuvent se voir entre elles, et encore, elles n'appartiennent pas au même seigneur, donc on ne voit pas trop l'intérêt. Après, forcément, il y a un lien sur le renseignement du trafic ou de qui pénètre sur les voies de communication.
Mais je pense que la communication peut se faire à cheval assez facilement entre les certains centres. Mais oui, il est indéniable que le château a toute sa place dans ce réseau fortifié. Et aussi, justement, c'est une des hypothèses aussi du pourquoi on a peu de bâtis en embruné et briançonné, c'est que le maillage castral est assez bien assuré. Et puis surtout, il y a très peu d'endroits où on peut implanter une fortification sur les voies de communication. Elles sont vite canalisées par les montagnes, il y a très peu de choix, on ne peut pas couper à travers toutes les montagnes. Donc ça force les flux à passer par certains endroits, et le château suffit lui-même à assurer la surveillance. Il n'y a pas besoin d'adjoindre une bâtie. Donc ça pourrait être aussi une des raisons de leur quasi-absence d'embruné et briançonné. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres interventions... Il y a encore une question. Ah oui, pardon. Je ne la vois pas. Oui. Vincent Bussiau. Oui. Bonjour à tous. Alors, moi, j'aurais déjà une réflexion par rapport aux tout derniers éléments de Benjamin. Bon, le terme bastide, bâti, a un sens tout à fait différent quand on passe la frontière linguistique. Dès lors qu'on est dans la zone provençale, le terme couvre une réalité complètement différente. Je pense en particulier aux bastides languedociennes, qui sont complètement autre chose que les bâtis dont on parle depuis ce matin. Cependant, en Provence et dans la Haute-Provence, que je connais un petit peu mieux, on a des bâtis qui ont un sens assez proche de ce que l'on a vu ici. On a des bâtis qui sont effectivement des petites fortifications, sans doute avec un rôle de contrôle de voie, donc assez proche de ce que tu évoques, Benjamin. Cependant, c'est effectivement là aussi un terme qu'on trouve très rarement, et je me demande s'il n'y a pas une notion linguistique, si ce n'est pas simplement parce que ce terme-là est très peu présent dans la zone provençale, et si du coup c'est par cette extension qu'on le retrouve peu dans l'embruné finalement. On est quand même on est vraiment sur la frontière linguistique finalement. Et c'est probable. Après, c'est toujours difficile justement avec quand on a des corpus assez minces justement d'établir des liens et puis d'être catégorique. Mais effectivement, peut-être que la barrière linguistique joue beaucoup. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la Bastide du sud-ouest, ça c'est certain. Après, le terme médiéval a quand même un sens pour les contemporains qui l'utilisent, donc il fait quand même référence à une réalité, donc ils se comprennent quand même. Après, à savoir si en Provence, le terme appliqué est exactement le même qu'on l'entend en embruné, parce qu'il faut savoir qu'au XIIIe siècle, l'embruné et le gapensé sont dauphinois depuis même pas l'embruné, donc c'est quand même l'influence provençale, et le mot Bastille et Bastide existe déjà, donc voilà, c'est assez complexe aussi de statuer là-dessus, mais effectivement, peut-être que plus on descend dans le sud, moins le terme Bastille revêt les mêmes réalités que celles dont j'ai évoqué aujourd'hui avec ma communication, effectivement. Mais ça serait bien aussi de les mettre en relation, justement, celles du nord du nord des Alpes d'Haute-Provence, par exemple, parce qu'elles ont forcément un lien typologique entre elles. Ben, à ta disposition pour discuter. Eh ben, c'est parfait, c'est très bien. À propos de la Provence, justement, je rappelle le vieil article de Noël Coulet sur la Bastide provençale qui montrait une réalité très différente de ce dont on parle aujourd'hui, plus proche sans doute de la maison forte, centre domanial, dans certains cas centre de peuplement. Donc effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des faciès régionaux dont il faut aussi tenir compte, avec ces différentes distinctions entre la Savoie, puis le Dauphiné, puis le Dauphiné provençal, puis la Provence proprement dite. Donc là aussi, c'est une difficulté supplémentaire qu'il faut prendre aussi en compte dans ce thème du. Et puisque vous parlez de la Bastide provençale, justement, je voulais rebondir dessus pour signaler que, enfin, c'est ce que je pense tout le monde, que les toponymes de Bastille, qui ne sont pas forcément liés à des sources,
reprennent plutôt cette réalité-là de l'institution domaniale qui gère des terres, un terroir. C'est pour ça que quand je le rencontre juste en toponyme et que je n'ai pas de source qui l'associe à un vrai édifice fortifié, c'est un peu compliqué de l'intégrer dans ce corpus-là parce qu'on a l'impression que ça, c'est une réalité complètement différente et que ça n'a pas lieu d'être étudié dans ce cadre-là.